enfants ou cherchez-les, trouvez-les. Mes gens, connectez-vous. Maman, connectez-vous. Connectez-vous. Sortez, 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 sortez. Les gens sortent, anti-sortent. Il faut seulement sortir parce que c'est grave. Je suis avec mes amis là, on fait un peu de sport. Hein. On se balade un peu maintenant. Sortez, mes gens, sortez. Partagez, suivez-moi le direct, mes gens, partagez. Connectez-vous, connectez-vous, les pleurs du mollet, maman. Petit direct hier comme ça, là, tout le monde veut se mettre ma tête. Petit direct hier seulement, il a même pas recommencé. Vous pleurez hier comme ça, vous en sortir. Jusqu'à venir me faire les menaces dans les inbox. Ouais, ça ne marche plus. Petit direct d'hier. Vous voyez que Lolo a une personne dangereuse à côté d'elle. Lolo a une dangereuse personne. Que quand il allume la caméra, c'est pour gâter. Et c'est moi. Vous pleurez maintenant. Oh, le petit, il est mal élevé. Oh, enfant maudit. Oh, n'importe quoi. Voyons, mes gens. Ah, on profite un peu. Ouais, non. On profitera. Partagez le direct, vous faites le Congo ça. Partagez-vous dans le Congo ça, maman. Les menaces de ça, maman. Maman, il a fait des menaces déjà. Il veut seulement sauf que parler. Elle dit toc. Elle dit toc. La personne que ça ne plaît pour pas sauter au lac. Ça vous plaît pour partir sauter au lac. Il y a les paris le Congo, ça qui ont coupé mon direct hier. Ceux qu'ils connaissent très bien. Mais je ne leur réponds pas. Elle seulement souffrit de couper. Parce que c'est le début, même pas recommencer. Elle seulement souffrit de couper. Vous allez seulement souffrir de couper. On est nous venir en balade, on s'amuse pas en ce moment. Ouais. Mes potes là. Mes potes, les vrais potes. Pas les nyama nyama de Facebook, pas les nyagami. Maman, venons décrypter un peu la soirée d'hier là. C'est que je n'aime pas recommencer. C'est le début. Parce que j'avais averti cela que quand on dit qu'on laisse Lolo tranquille, elle quand même m'asseoir sur vos leaders, ne pleurez pas après pour dire que l'enfant l'a mal élevé. Ou l'enfant l'a parlé mal aux gens. Donc Lolo, c'est votre poubelle. Hein. Lolo, c'est votre bouc. Connectez-vous, mes gens, dans le Congo, ça dit, maman. Mettez les cœurs. Coucou, ma Véro. Coucou, Louise et Boulet. Merci pour les cœurs. Oh là là. Le cœur là est beau comme toi-même. Mouah. Dosez les cœurs et les partages, mes gens. Dosez-moi ces cœurs et partage. Aura, il dit que dos centralisé, il dit centralisé. Maman, oui, on peut pleurer comme ça, hein, maman Adama. On peut crier comme ça. Hein. C'est interdit de pleurer. On ne pleure pas la méta, c'est interdit. Vous pleurez quoi? Vous pouvez même pas recommencer, vous commencez à pleurer comme ça. Hein? Je n'ai même pas encore commencé, vous pleurez déjà comme ça. Que, oh, le petit là, insulte les mamans. Oh, le petit là. Oh, Fleur de lit peut accoucher. Et mouf. Allez péter, oreille avec ça. Allez péter, oreille avec ça. Allez péter, oreille avec ça. Conduisez les conseils à qui? Allez conseiller vos enfants, vos familles. Parmi vous, il y a beaucoup de familles qui sont en détresse. Vos familles qui en souffrent de chagrin. Vos familles qui souffrent de martyrs. Allez conseiller vos familles, non? Vous ne me conseillez pas à quoi?
veux dire que ma vie ne me plaît pas. Ma vie me plaît très bien. Je me plais dans ma vie, dans ma peau, hein. Et je m'assume parce que vous ne vous assumez pas. Pour se plaire, il faut d'abord s'assumer. Bande de je ne sais rien, de je ne fous rien, que vous soyez. Bande de n'importe quoi, de macrocéphales. Oh, petit, fais attention. Oh, machin, machin. Oh, c'est l'unique PDG. Oh, c'est l'unique mafou. Elle est mafou, elle est reconnue dans quelle chefferie. Même en tirant la chefferie, on la connaît. On la connaît. Mais nous, ouvrons là, je bouche me parler. On la connaît où? Qui la connaît? À part vous, vous cassez nos oreilles là. Oh, mafou. Partagez et décryptez la soirée ici, Rora. Arrête ça, respecte ma fou. Pousse Karine, tu es malade. Fais attention à ma chérie. Fais attention à la petite. Toi, tu cherches toujours. Tu veux seulement qu'elle parle de toi. Tu penses que. Ta mère ne t'a pas honoré. Tu es en allemand. Elle pourrait même prendre le blablacar comme tu es sans papier. Elle pourrait te prendre un blablacar pour que tu arrives là-bas. À Paris. Tu vois dans la nuit. Hein? Donc peut-être vendredi, là, tu voyais dans la nuit. Donc vendredi dans la nuit, tu arrives le matin. Tu pourrais pas le blablacar dans la nuit, tu voyages, mais tu arrives tard dans la nuit. Pourquoi tu n'as pas pris? Pourquoi elle ne t'a pas appelé? Tu viens maintenant commenter là avec ta tête comme les baskets pourries. Mouf! Tinda, on t'a même pas reconnu, c'est Isaac Ham seul. Là voilà, ici, voilà Isaac Ham. Na, c'est Italie, voilà, na, c'est Italie. Tu vois? Là voilà, ici. Idiotos. Et voilà. Elle ne tombe même pas. Elle ne tombe même pas. Donc, tu peux, comment on appelle même ça le français, maman? Je ne vis pas moi en France. Je vis moi en Allemagne, maman. Elle ne tombe même pas faire l'honneur. Regarde combien de têtes là-bas. Hein? Fati et sa mère, Awa. Voilà Fatih Bunkena, c'est le nouveau nom, c'est Fatih Bobo Diouf. Voilà Fatih Bobo Diouf avec sa mère, ah ouais, avec les cheveux crépus, crépus. Les voilà là-bas, avec sa mère. Toi, tu es là-bas, tu es là, tu es assis, tu buvais le faux whisky qu'on vend ici là à 0,79 centimes. Bête que tu sois. Tu viens ouvrir ta sale bouche comme les pourris faits de ta mère, sapac. Tu viens parler, les voilà là-bas, Angos avec sa fille. Toi, Mbopi, comme vous êtes bête, on a pissé dans vos têtes. Tu vois, tu vas venir parler à qui? Qui te connaît? Qui t'a. Ouais, maman, les éloges dans zéro. Tu es une ténébreuse. Puisqu'à Mandumba, Misunga, ténébreuse. Tu as carré ténébreuse dans ta vie. Tu es une ténébreuse. Ténébrette. Une ténéwoman comme ça. Ténéwoman. Tu as carré ténéwoman. Tu fais les éloges. Au Mandumba, aux vieilles chouettes. Les femmes qui marchent avec comment on appelle là, les torchons, quand elles pissent, elles passent en bas. Les femmes qui mettent les habits dans les fesses, quand elles saignent à la place des garnitures. Tu viens parler à Lolo, ça part. Et voilà, ma bonne qui est à Paris. Elle là-bas comme la statue de bienvenue au rond-point. La statue de bienvenue. Au rond-point des idées au Cameroun. Ah, t'as bien. Ouais, maman. Mais voilà là-bas. Tu ouvres ta bouche ici pour me parler. Oh, respecte maman. Faut être honoré. Ça pack. Même 25, tu as eu. Idiote. Ouais, ça ne cherche pas ta vie. Hein. Ne cherche pas tes papiers. Ça, tu bavardes. Oh, arrête ça. Laisse maman. Faut imbécile. Daniel Ambot, coucou, comment tu vas, ma chérie? Bon, ça a trop duré sur mon profil qui est aussi là-bas. Eh? Où est vos larges bouches? Tu es là, tu fais les éloges à une vieille chouette qui ne te connaît, qui ne t'assume même pas. Aux vieilles chouettes qui ne connaissent même pas ta valeur. Tu es sans valeur, ma chérie. Tu as vu maintenant comment tu es? Tu as vu? Elle était en direct hier comme une revenante. On dirait une personne qui est morte depuis il y a 10 ans, elle est revenue pour hanter les gens. Avec son cabas de 500 francs. Fallait voir comment elle était. Il s'en va à la fête. Qui peut t'assumer? Qui? Qui peut t'assumer? Idiote. Pour parler à Lolo, si vos lâches pour parler à Lolo, pour dire que oh, Lolo a fait que. Qui t'a alors assumé? Tu vois donc de toute cette bordée de la toile, hein? De tous ces vieux bordels que tu es parti suivre là.
Hein? Et tous ces vieilles, les deux vieilles chouettes, toi, tu es parti suivre là-bas, là. Elles ne t'ont pas assumé. La seule personne qui t'a assumé, c'est Lolo. La seule femme qui t'a assumé, c'est Lolo. Lolo t'a assumé. Hein? Lolo t'a pris. C'est comme un. Je peux dire comment? Comme sa fille qu'elle a accouchée. Elle t'a pris comme sa fille. Parce que tu as 23 dans tous les jours. Elle t'a pris comme sa fille. Hein? Je vais te répondre ce soir, mais tu es mal bête. Tu attendais qu'elle parle, tu ne pouvais me répondre. Tu es trop bête. Stupide fille que tu sois. Je ne sais même pas dans quel village tu sors. Je ne sais même pas dans quel trou on t'a pondu. Tu es là comme le jeu qu'on a possédé. Hein, je vais te répondre ce soir. Tu ne tu peux pas répondre. Après ça, tu peux encore dire quoi? Tu attendais qu'elle parle de toi, non? Va répondre, maman. Va m'insulter. Tu peux d'abord dire quoi sur moi? Avec ta langue collée dans la bouche. Avec ta langue remplie dans la bouche comme le serpent. Hein? Pauvre Mbappe. Et langue de Zeminga. Tu vas travailler, tu vas continuer à travailler un travail sans salaire. Tu as compris, non? Travail sans salaire. La seule fille qu'on a assumée, c'est Isaac Am. Isaac Am vous a, elle vous a fait bas la tête. Isaac Am vous a fait bas la tête. Bas la tête. Elle a fait bas la tête, maman. La honte de ça. La honte. La honte totale. Regarde-toi, tu viens commenter maintenant là. Comme une égarée en enfer. Hein? Partagez-moi le direct, mais je vais pas le partager. Partagez. Dosez-moi les cœurs ici. Même quand il parle, les cœurs montent. On partage. On sécurise le direct. J'ai vu la petite fille, la petite Namangwe, dans la soirée des vieilles chouettes. J'ai dit, hein, c'est vrai qu'elle a une grammaire assez inconsciente. C'est vrai que Bolingo, c'est une femme inconsciente. Mais les invités là-bas, on sait que vous tous êtes une bande de feignants. Tous ceux qui étaient là-bas sont les feignants. Mais il n'y a pas eu quelqu'un pour dire à cette vieille Mandumba de Bolingo que un bébé comme Namongwe, à son anniversaire, vous l'amenez dans les bars, là où les gens fument le coup. Et sur de quoi? Elle-même, sa grand-mère, on l'a attrapée au couloir des toilettes en train de tirer le coup. On l'attrape, elle dit que non, je remets les idées en place. Tu sais comment je suis malade, non? Quel est le rapport entre ta maladie et le coup? Il avait dit, c'est là que c'est le coup qui t'a envoyé à l'hôpital. On a dit, c'est là que, oh, ta bouche sort comme les caca. Voilà maintenant ça aujourd'hui. On l'a attrapé au couloir là-bas hier. Il fallait les voir tous là-bas la soirée. Ils étaient comme les criquets qu'on attrape souvent là-bas au nord pour faire les kish-kish. Les kish, c'est les kish-kish qu'on fait là, avec le piment. Les criquets frits, non? Les kish-kish. Qu'on fait comme ça, avec le piment en poudre là. Avec la pâte d'arachide dessus. Fallait voir. Mais moi, j'ai pitié de vous. Personne ne vous conseille cette vieille chouette. Que non, on n'amène pas l'enfant dans la qualité d'événement là. D'où il y a les grandes personnes, d'où il y a les personnes âgées. Mais moi, je ne comprends pas. Quel est le rapport avec l'enfant? À l'anniversaire de l'enfant, tu n'as même pas coupé le gâteau. L'enfant est habillé comme s'il est parti au funérailles. Est-ce qu'on peut faire ça? L'anniversaire de ta petite fille, tu l'habilles comme si c'était les funérailles, comme s'il est parti dire adieu. Ya Bolingo, toi-même, tu t'es habillé comme une revenante. Hein? De quelle façon ça? Personne pour conseiller. Moi, j'ai seulement vu quelqu'un comme là-bas, maman. Le caleçon qu'elle a porté, la robe jaune, c'est la robe jaune, c'est la moutarde qu'elle avait portée, maman. Le caleçon était un gros, elle a porté un gros caleçon. Ya la mère, ya. Tu mets un gros caleçon comme ça dans une robe moulante, maman. On t'a pas appris la mode. Hein? On t'a pas appris la mode. Je te dis, hé, bête, dosez-moi les patates ici, mes gens. Avec les queues. On t'a pas appris la mode, maman. Comment tu peux mettre un gros caleçon dans une robe comme ça? Hein? Bonjour Marie-Laure Issogo. Comment mettre un gros caleçon dans la robe moulante? Hein?
C'était la gaine. C'était la gaine, mais c'était moche à voir. Mais franchement, mais c'était pas beau à voir, moi, honnêtement. Moi, je passe, je sabote pas. Avant de porter un vêtement, assure-toi que tout ce que tu mets va ensemble. Hein. Assure-toi que tout ce que tu mets donne avec. Mais je ne comprends pas. Comment vous pouvez partir à un événement? Toute personne qui était là-bas, personne, il n'y avait personne pour conseiller cette petite. Conseiller sa grand-mère, Bolingo Foufou. Celui qui marche avec le chien, conseiller son chien marcher, maman. Marche avec le chien, il lève le chien comme ça, là, ça a mort quand tu as dit quoi. Hein? Hein? Moi, je ne comprends pas. Donc, il n'y a personne pour conseiller cette vieille chouette de Bolingo. De ne pas amener l'enfant, un bébé comme un Amongwe, fait quoi d'où les grandes personnes boivent l'alcool? Elle fait quoi d'où les gens fument la cigarette? Hein? Elle fait quoi? Vous avez vu hier, Petit Pays est venu presque à 3 h du matin, maman. J'ai vu l'entrée de Petit Pays. Tu sens qu'il ne voulait même pas prester. Il est entré comme si on l'avait énervé. Il a fait un mauvais rêve. Il est entré comme si le don, comme ça, seulement forcé, maman, que va seulement chanter qu'une minute, tu rentres. Il était fâché. Il n'était même pas fier. La personne même qui avait l'événement aussi, elle-même n'était pas fière. Elle gonflait, gonflait, gonflait. Tu penses que ta star m'a pâté mon Petit Pays, maman? Tu gonflais quoi? Quand on dit que les vraies stars, c'est les Petits Pays. C'est la vraie star. Tu vois, il est entré, même ta star m'a c'est d'abord calmé, maman. Quand il est entré, même tes amis sont levés. Tous ceux qui parlent, tapaient la bouche que, ah, vraiment, on va le traiter. Il est entré, vous tous, qui pouvait encore parler? Tu es comme les tombes. Comme les totems. Il fallait voir comment, avant qu'il ne vienne, il était malheureux. Mais il y avait un ancien succès là-bas. Pourquoi elle n'a pas interprété? Elle n'a pas interprété. Elle était habillée comme une veuve malheureuse. Avec ses maigres fesses, comme les criquets boxeurs. Ouais. Aïe, Seigneur. Non, la soirée là, non, maman. J'ai réussi à fatiguer, maman. Il fallait voir comment les gens étaient en train de boire. Casser les arachides avec. Donc, ayant cassé les arachides, ils ont cassé les pistaches. Parce qu'ils étaient ennuyés. D'autres ont amené les sacs de pistache. Donc, comme s'ils savaient seulement, ils étaient en train de talonguan. Ils étaient en train de casser le pistache en bas de table. Avec les arachides. Et franchement, quand vous voulez faire l'événementiel, essayez un peu de prendre les conseils. N'allez pas faire comme si vous êtes tellement excellente ou alors vous êtes tellement. Mais franchement, j'ai vu encore la mascarade d'hier. Donc, on disait que, ah, comme il n'y a plus les places, vous pensez que le fumafuma peut prendre qui? La soirée, elle ne s'est pas passée comme Flore voulait. C'est parce que les abeilles savaient que non, puis ça n'en va pas, hein, que de parler fort, fort comme ça, et de lancer que les directs, aller parler dans les directs en direct. Mais honnêtement, la soirée ne s'est pas passée comme Flore espérait. Je sais de quoi je parle. La soirée ne s'est pas passée comme Flore espérait. La soirée ne s'est pas déroulée comme elle voulait. Ça ne s'est pas passé comme elle voulait. Il faut dire la vérité. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. La soirée ne s'est pas passée comme Flore voulait. Moi, je sais de quoi je parle. Hein. C'est vrai, elle a rassemblé les gens, il y avait du monde. On a vu certains totems là-bas qui étaient avec les épouses. C'est vrai. Mais ce n'était pas ce dont à ce que Flore s'attendait. Flore voulait du waouh. Donc, ce qu'elle s'imaginait, ce n'était pas ça. C'était le contraire. Elle a donc, elle s'imaginait dans le contraire de ce qu'elle pensait. Oui! Moi, je viens vous dire, je viens vous rapporter le Kongosa. Vous savez qu'en tant que chef Kongosa de la nation, je viens vous rapporter. Je viens vous rapporter le Kongosa.
Namungwe, quand vers 1 heure là-bas, Namungwe était en train de danser le comment on l'appelle là, le bikusi. Elle dansait avec le bikusi. Oh, colo, ton pilon, colo, moi pilé. Une petite fille comme ça, 1 heure du matin, elle casse le dos. Une petite fille comme ça casse le dos et danse ton pilon à 1 heure du matin devant ses aînés. Jusqu'à l'ancien succès, elle a porté maman. Non, mais franchement, de qui se moque-t-on? Quand la mère de Namungo, elle-même, quand elle voyait la scène là, qu'est-ce qu'elle-même l'a dit? Qu'est-ce qu'elle-même disait? Hein? On appelle ça que les parents irresponsables. Une enfant qui part à l'école, une enfant qui fréquente, fait quoi là où les grandes personnes tirent le coup? Hein? Le wow pour toi, c'est quoi? À ton jeune âge, tu as déjà raté ta vie en bendé, les pleurs, Flora Larson. Tu commences à comment de chez toi, je te bannis de ma page. Ici, on ne crie pas fort, c'est moi ce qui crie. Tu entends, non? Pourquoi on vous dit la vérité, vous pleurez? La soirée ne s'est pas passée comme Flo pensait, comme elle espérait. La soirée ne s'est non plus déroulée comme à ce qu'elle s'attendait, non, mais disons les vérités, mais quand même. La soirée n'a pas eu lieu comme elle voulait. La façon qu'elle a porté, d'abord, la robe moulante, tous ses jaunes, ses moutards, avec le gros caleçon, c'est la gaine qu'elle avait portée, maman. Le gros V, ça a coupé son ventre en deux. Maman, il faut m'en maman, la soirée, sinon. C'est remettre la porte, le caleçon, sans savoir. C'est remettre la porte sans savoir. Vrai, vrai. C'est remettre la porte, le gros Kanda, sans savoir. Parce que la qualité, là, maman. Non, je donne les mains. Je donne les mains. Bolingo, elle aussi, une femme qui sort de l'hôpital. Elle n'a même pas le secret que la perfusion finit de bien descendre à son corps. Elle est à partir de capsuler le vent. Hey, Seigneur, avec le coup à côté. Hey! Yeah, maman. Oh, malais. Hein? On m'a envoyé une vidéo là où Flo chantait à côté. Elle était fâchée. Dans une chambre là comme ça, elle chantait. Yeah, malais. Yeah, t'allais. Oh, petit pays. Maman, mon chou, mon chou, on te mangeait mon lasagne. Oh, merci, 1 000 euros, petit pays. Hey, yeah, ouais, la mère des abeilles. Maman, le menu était de taille, maman, les arachis du village. Arrête le whisky. D'autres ont amené le bobolote comme s'ils ont su, maman. Il fallait voir. Hein? Une grande soirée comme ça, il n'y a pas eu les services traiteurs. Il n'y a même pas eu le bouillon. Quand on vend le plat de bouillon à 500 euros. Il y en a 500 euros, 200 euros. Il n'y a pas eu le plat de bouillon. Il y avait le bouillon à côté, maman. Ouais. Il n'y avait pas le bouillon à côté, comment? Je sais que ma bouche sent dans vos affaires, mais dites-moi un peu, s'il vous plaît. J'ai vu Isaac à maman. Elle a fait l'effort d'être propre hier, à la soirée, franchement. Elle a franchement fait l'effort parce que la façon qu'elle arrivait à Paris, j'ai cru que c'était une folle qu'on a ramassée à la poubelle. Elle était comme le petit garçon qui va les eaux au Cameroun qu'on a trouvé au fou là. Ah là. Quand elle est arrivée à Paris, j'ai dit que Seigneur, même dans la capitale de l'amour, je ne ressemble à rien, ma copine. Donc, hier, à la soirée, elle a quand même fait l'effort de se laver. Et puis, elle a failli ressembler à quelque chose. Donc, sur ce point, continue comme ça, ma chérie. Continue comme ça. Hier, là, tu as failli ressembler à quelque chose. Donc, continue à marquer les points comme ça. Ouais, maman, ma vie. Hey. Baba, non. Vraiment. La soirée là, franchement, on dirait la vieillesse encore. Hein. Moi, je ne.
Je ne sabote pas, mais c'est ce que je voyais. On dirait une déesse encore. Bolingo donne le cœur à sa petite fille. Tu es où comme ça, Toby? C'est mes gens, non, maman? On prend de l'air sur moi en direct. Est-ce qu'ils comprennent le français, ma? Ils peuvent aller dire que mon fichier, on se m'en sourit. Oh, les camarades, non, les camarades. Les camarades du school, on est tous voisins, voisins. Ils connaissent quoi? Quand ils font le direct comme ça, ils sont seulement perdus. Maman, le gars, il dit quoi, hein? Il dit quoi, hein? Il dit quoi? Que la soirée des Vilap, des Vilabdion, les gens là sont encore, les gens là sont encore derrière l'esprit du village. Je t'assure, aucun style y est. Maman, tu parles le rêve. Hey, alors ceux qui veulent appeler, appelons, vous me dites un peu bien la fesse, maman, parce que moi j'ai vu comment les gens cassaient les arachides là-bas avec les pistaches. Bon, on peut partir dans une soirée comme ça là. C'est vrai que c'était un peu ennuyeux au départ, mais. C'est quoi d'amener les arachides du village jusqu'à casser les arachides du village avec le pistache dans une salle comme ça? Ouais, maman, rêve. Les femmes n'ont pas de style. Yeah, là. Je te jure. Je te jure. J'ai même cru que l'autre était habillé comme Caraba la sorcière. Dis pas moi le nom, maman. On dit que c'est une bagarreuse. Elle peut m'arrêter, c'est marrer la bagarre, mais tape, maman. Je décrypte seulement son habillement. Si vous voulez, vous allez la reconnaître. Elle a porté que le oh, maman. Yes. Avec les voiles du rideau sur un côté de l'épaule. Je demande que maman est... Le style, alors, veut tuer les gens à Paris, maman. Le style veut tuer les gens. Le style veut tuer les gens. Le style veut tuer les gens, maman. Voilà, tu es habillé comme si papa dit adieu. Comme s'il avait peur. Il avait perdu, elle ne s'est pas réparée, papa dit adieu. Hier et jusqu'à. Que ouais, balatoise, maman. Ouais, même quand on porte le noir, c'est pas la qualité du noir la comporte. C'est pas la qualité de noir là. Il était habillé comme si il partait à l'enterrement pour dire adieu. Oh, Barata. Ouais, papa. Aucun style. Il casse la chicotte, c'est grave, maman. C'était le même habillement à Berlin. Maman, tu parles. Je t'assure. Casse la chicotte, c'est grave, maman. Elle était serrée, cintrée comme si, maman. Quand on dit qu'on habille le cadavre, l'habillement n'a pas suffi, non. On déchire d'un côté, on improvise avec les guilles et le fil. Maman. Pas mais ça, alors c'était grave. Avec son épouse. Hein? Le père de compresseur, maman. Hein? Pas mais ça, c'était grave avec son épouse. Quand ils sont entrés, on m'a dit que. Pas mes sangs, le gars il crânait alors maman, la caméra a seulement zoomé sur les doigts, il m'a dit que hey, le caméraman a tout gâté. Quand la caméra est partie sur ses doigts, il m'a dit que comment vous pouvez faire ça? Hein? Bolingo, et la même robe. Ouais, que. J'ai dit que le caméraman qui filmait là-bas hier est mauvais. Comment vous savez que les gens vendent le Ndiansan? Vous partez zoomer les doigts. Est-ce qu'on fait ça? Comment vous pouvez zoomer les doigts de Paris sans demander sa permission? Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Hein? Elles étaient tous mal habillées. Toutes mal habillées. Ngossa zéro. Kenkam zéro. Isaac Cameron, n'en parlons plus. Elles étaient comme les zombies qu'on dit que dans quoi? Comme un bread story. Un film anglais là comme ça, maman. Comme un bread story. Allah. Elle était comme le pangolin. Quand le pangolin porte l'habit, maman. Moi, j'étais moi dépassé ce matin que hey, Wambo, maman. Moi, j'ai le problème avec le DJ.
Pas le DJ, le caméraman. Le caméraman, là, c'est lui avec qui j'avais, avec lui que moi j'ai les problèmes. Comment tu peux zoomer les doigts des gens qui vendent le nyam? Comment tu peux zoomer les fesses? Tu sais bien que Flo a porté un gros caleçon. Comment tu sais que Flo a porté un gros caleçon V dans une robe moulante? Tu zoomes ses fesses pour que les détracteurs disent que maman elle a fait fort. Comment tu peux faire ça? Quand nous on veut fuir le Congo, ça va tout nous trouver. Nous, on ne voulait pas parler de la PSC. C'est parce que, bon, comme ça s'est trouvé à Facebook, on a parlé. Bon, peut-être que je vais danser comme ça, c'est les moustiques, avec les moustiques. J'ai dit ça là-bas, il y a un commentaire, on m'a insulté jusqu'à maman. J'ai dit que, ouais, la baisse de rêve, Mbiaye. Maman, elle est en train de gifler les moustiques à l'heure, c'est là que, paille, 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 maman, faut, paille, 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 paille. Hein? C'est le plus scandaleux. Tu dis qu'elle n'a pas insulté. Moi, j'avais ma pitié. C'est justement ma pitié d'elle. Elle a lancé le direct. Il y avait seulement une personne. Il m'a dit que, ouais, maman, mieux encore de moi, mes 13 personnes. Mieux encore de moi, maman. Oh, mieux encore de moi. Black Pussy. Elle m'a pas invité, maman. Et électron libre. Une idiote avec sa tête comme les calebasses. C'est électron libre. Elle dit qu'elle est électron libre. Ouais, maman. Ouais. On se lève le matin pour être électron libre, massa. Oui. Électron. Où vous croyez que le mot électron libre? Mais j'ai partagé le direct, maman. On me signale trop. Partagé. Le direct est menacé. Quoi, les cœurs, les partages? Hein? J'étais mort de rire. Mais franchement. Rêve bien, et toi, pourquoi tu n'as pas parti dire là-bas que pourquoi vous amenez un bébé comme un amoungoué dans une soirée où les gens tirent le cou et boivent les alcools, ils cassent les pistaches, ils cassent les arachides avec les dents. Comment tu n'as pas parti parler là-bas que une amoungoué, à l'anniversaire d'une petite fille comme ça, là, on l'amène dans la cérémonie des vieillards. Des gens qui ont raté leur vie. Des bangamans, des wadio, des zozo, des mazo. Comment on amène un bébé comme ça? En plus, son anniversaire. La façon qu'elle a habillé l'enfant, la maman. J'ai cru que c'était Totally Spice. Et maman Flo a fait fort le tour jusqu'à amener Totally Spice. C'est quand je guette bien, elle dit que, hey, Enamongongwe. Enamongongwe. Elle dit que Enamongongwe avait les gants à main. Comme si les benzikineurs de Douala, non. Les benzikineurs de Ndokotchi, là, avaient les gants, comme ils importaient les gants. Elle dit que maman, un bébé comme ça avait les gants à main. Tu passes souvent, tu vas faire quoi là-bas? Vous voyez aussi Mini Minor hier, il fait le direct à la veille de la soirée. Au lieu de tacler doucement que non. Son argent de poche est fini, l'argent qu'il a claqué des mains est fini. On lui demandait l'argent doucement. Il faut qu'il parle de Lolo. Ah, Lolo va voir le confirmer aujourd'hui. Ah, elle va confirmer. Je sais pas, tu le laves en commentaire bien, mais maman, ils m'ont porté aussi là-bas. Ils m'ont porté là-bas. Ils m'ont dit que maman, wow, j'aime souvent, mais j'aime les problèmes, maman. Le fils de la poutine, c'est les problèmes. Ah, ils m'ont mangé ce corps. Si on m'attrape, il veut dire quoi? Hein? Non, mais est-ce que le Congo ça va me laisser, maman? Le Congo ça, c'est toute une vie. Est-ce qu'on abandonne le Congo ça comme ça? Hein? On n'abandonne pas le Congo ça, mais juste que franchement, quand on vous conseille, faites l'effort. Nous, on ne parle pas parce que, bon, on veut saboter. Mais c'est parce que vous aussi, vous vous habillez d'abord mal. Les anciennes chaussures de l'époque de Tchaka Zulu. Hein? Les gros caleçons dans les robes moulantes. Les perruques synthétiques dans les événements comme ça. Et c'est vous qui mentez, vous qui avez 1200 personnes, maman. Vous aussi. Vous voulez qu'on ne parle pas comment? Parce qu'il y a Reven Biya, il y a moi, il y a Monica Diaz. Nous, on aime le Congo, ça. Nous, on aime le Congo, ça. C'est justement parce que nous sommes pauvres qu'on aime le Congo, ça. Vous savez que vous êtes riche. Vous avez tout chez vous, maman. Dans notre pauvreté, c'est nous que seule richesse, c'est le Congo, ça. Si on ne fait pas le Congo, on sera comment? Hein? Oui! Ouais, ça a amené l'enfant hier pour taquer l'argent pour aller couper le ventre. Tu connais, non? C'est trop gros, c'est bête. Et Namongo, il m'a mis Namongo comme ça, il dansait. Zanema, vous savez que, maman, la petite fille ici, l'enfant veille jusqu'à 6 h du matin, maman. Elle n'a pas sommeil, elle n'est pas fatiguée. Elle dit qu'on dit qu'on parle, elle dit que, my name, ma maman est à Bok. Elle dit qu'elle veut finir la fête, maman.
Ah, mamie, mamie à Bok, elle a parlé le patron, elle m'a dit que, hey, maman, au son niveau, si, maman. Donc, Foufou a formé l'enfant, elle a adopté l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant dise que, ah, ma kiki, maman à Bok, elle dit qu'elle n'est pas, elle veut finir la fête. Elle dit que, hey, wow, Lolo, wow, maman, grave bien, Monica Diaz. Elle m'a dit que, hey, ça se quoi? Black Pussy, elle-même n'était pas là-bas. Avec tous les éloges qu'elle a fait ici. Oh, la soirée, la soirée, la soirée. On vous a dit que c'est tout. Il y avait sa copine Piscabette. Non, mais Ngo, ça a fait fort, maman. Ngo, ça a fait fort. Hein? La copine de Nancy a fait fort. D'autres ont porté les perruques là, maman. Même brossé, peigné, n'ont rien fait. Ich, non. Mieux encore, je t'habille bien. Tu arrives à la fête dans le mouvement, non? Ta perruque, c'est une tchaka là. Quand tu entres dans une soirée comme ça, avec la perruque mal peignée, mal brossée, mais franchement, vous voulez que vos vies ressemblent à quoi? Hein? Vous voulez que vos vies ressemblent à quoi? Bon, c'était là-bas, je l'ai vu, avec la robe noire, comme si elle partait enterrer quelqu'un. Elle est balade avec le noir, non, maman? Mais Jean, franchement, moi, je ne comprends pas. Il y avait une femme là-bas qui avait le gombo. Elle mangeait, elle son sous son gombo. Comme la tisse n'est pas là, maman. Elle connaît son couscous sur son gombo. Elle m'a dit que, hey, maman, oh. Il fallait voir aussi tous ces gens-là. La personne même qui annonçait les gens, tu sens un analphabète. Est-ce qu'on annonçait les gens comme ça? Voilà, petit. Petit payé à entrer hier avec le visage triste, maman. Tu sentais qu'il n'était pas content. Tu sentais qu'on l'a seulement forcé, que gars, go, 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 m'a fait semblant. Il ne chantait même pas. Il avait le micro à main. C'est le DJ qui a mis le son. Hein? Il ne chantait même pas. Il a séché les abeilles hier. Donc, il partait le téléphone pour aller se filmer. Le gars tourne le visage. Maman, la honte de ça. Il y a les abeilles. Quand quelqu'un ne veut pas, ne forcez pas. Ne forcez pas. Petit pays était mal à l'aise hier. Non seulement vos aisselles sentaient, les femmes qui doublent les blousons avec les parfums, qui mettent au moins 5 parfums dans les sacs là. Petit pays était mal à l'aise hier à cause de vous. Les odeurs, les bouches qui sentent, vous partez embrasser la star. Petit pays. L'odeur, maman, l'odeur. L'odeur de vos bouches pouvait tuer le père de truie. L'odeur de vos haleines, ça pouvait tuer le père là. Il ne voulait même pas chanter. Il avait la flemme. Il ne pouvait même pas. Il ne chantait même pas hier. Vrai, voilà, il était bon. Il ne chantait pas. Il avait le micro à main. On met le son là-bas. Tu es fou de moi. Je suis fou de toi. Tout le monde est fou de toi. Après, Domba Lambé, oh. Il est seulement là comme ça, là. Il sourit. Je sens que dans le sourire, là, non. Il se manque. Pardon, que mon œil passe, je n'ai pas moi. Comme on est pas, je pars moi. Maman. Il a vraiment fait l'acte de présence. Ça, ce n'est pas le conseil. Il n'a pas fait un conseil. Il a fait l'acte de présence. Donc, vous me voyez, non? Voyez-moi. Même chanter, n'a même pas chanté, maman. Il y avait l'ancien succès là-bas. Mieux encore, elle improvisait, hein, maman. Mieux elle improvisait. Mieux elle improvisait, mais franchement. Vous faites les choses comme si je ne sais même pas. C'est-à-dire que, oh, on vous insulte, on vous espère quoi? Hein? Justement parce que, comme nous, l'événementiel nous dépasse, que vous connaissez, vous êtes tellement ayop, mais faites alors, nous, on vous regarde. Vous nous avez montré hier que, franchement, tous les abeilles qui étaient en faux profil, on vous a tous vu hier, maman, des sales femmes, des vieilles bordelles, des vieilles chattes. Les perruques mal peignées, les perruques mal brossées, les kouchas. Hein? L'autre avait la peau comme si on a tissé avec la laine. Maman, la saleté de ça, les odeurs. Il fallait voir l'autre qui a porté la robe moulante blanche, maman. Les aisselles étaient mouillées, maman. Les aisselles étaient mouillées, maman. Et Kanga, il parlerait la peau dure. Ich! Mais franchement, il fallait voir l'autre mouillée là-bas au fond. Elle était assise comme une pêcheuse de poisson dans les rivières des petits villages de Mbeng. Mais franchement, respectez-vous. Hein. Vous avez souillé les gens hier, franchement. Vous avez souillé les gens. Vous avez souillé. Ich! Non, zéro macabre à tout le monde. Tous, je n'ai vu
personne sapée. Je peux dire encore quoi? La seule personne qui a fait semblant d'être dans le thème là-bas hier. Même comme il pensait qu'il partait au bureau, c'était le président Eboabala. Malgré sa tenue du bureau, parce qu'il a porté l'état de bureau comme il partait au bureau. Avec le cigare, le cigare, c'est le cigare. Avec le cigare, c'est le cigare, c'est le cigare qu'on a à la bouche. Il était quand même un peu. C'est le seul, quand même, hein, de tous les hommes là. Du camion était comme quelqu'un qui venait espionner les gens, il fuyait. Il était habillé comme un recherché par la police avec les lunettes et le chapeau. Hein? Franchement, moi je ne comprends pas. Vous faites un peu, vous faites pitié. Et parmi les hommes, la seule personne qui peut dire un peu que non, si je dis non, il donne même 4 et demi, c'est président et pas voilà. C'est la seule personne un peu. Parce que là, il voit le reste, il ne voit pas. Parmi les gens, ça a porté une chaussure qui n'était pas sa pointure. Ça nageait dans ses pieds. Tu sentais comment? C'est comme si il a seulement doublé les languettes en bas. Maman, il a seulement doublé les languettes en bas de la chaussure. Maman, dit, maman, le père, si c'est ce qu'il a porté, a tout mis à taille, maman. Et pour énerver, on filme ses doigts. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Bolingo a porté la robe et les cadavres. On fait une personne est morte, on est levé de corps, maman. La robe qu'on a mis les cadavres avec. Bolingo était représenté comme un cadavre qu'on partait, fait la levée, maman. Ich. Après, vous habillez, dis donc. C'est pas, la vie n'est pas seulement pour nous insulter, pour dire que oh, les ténébreux, machin. Mais faites au moins. Hier, vous avez montré que vous êtes les vrais ténébreux. Avec des bon à dire, vous avez montré hier que vous êtes les vrais ténébreux de la toile. Nous, on a vu, hein, pas parce qu'on ne parle pas, on a vu que les vrais ténébreux, c'était vous. Tous les yeux chouettes qui nous insultent, là, qui insultent Lolo en commentaire, là. Il n'y a personne qui était bien habillé, maman. Les talons, même, c'était les anciens talons, bouc, la devanture carrée, maman. C'est le cycle. Tu peux te lancer la salsa, maman. Celle qui avait les gros talons bouc carrés devant, là. Si tu partais au cycle, ma soeur, ou tu partais chercher l'homme qui va t'épouser. Tu as même vu celui de Kunagero, son costume gris de Nadia. Il parle à cœur ouvert. Mais franchement, lui là, il me fait même de la peine. Lui, franchement, après dire que de tous les hommes là, non, de tous les hommes, la seule personne qui a même fait semblant d'être dans le thème, c'était le président Eboabala, le reste là. Hein. Non, franchement. Ils doivent encore apprendre. Ils ont à apprendre. Vous devez me voir. Je vous conseille. Moi, je suis un conseil vestimentaire. Moi, je conseille dans les vestibules, dans les vêtements. Je conseille. Vous devez me voir. Je vais vous conseiller comment on s'habille, comment on se vêtit. Mais franchement, hein? Mais franchement, que des zéros macabres. Les femmes qui ne connaissent même pas peigner les perruques. Hein? Les femmes qui ne savent même pas arranger leur tête. Mais franchement, c'était de la merde. Il n'y avait rien. Rien d'appréciable. Je ne sais même pas. Je sais même pas qui pouvait me donner. Toby, tu as vu l'entrée de Kuhn Leberg. C'était la chimpate. Il est entré comme quand on a vendu sur un plateau d'ailleurs sans salaire. Hein? J'ai vu, non? J'ai vu. J'ai vu, ma chérie, j'ai vu. Est-ce que tu vas venir me dire, maman, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sué la soirée là plus que moi? Tu penses qu'il y a quelqu'un ici qui a sué ça plus que moi? J'étais au top. Avant même qu'on ne lance le direct, j'avais reçu les vidéos. Je vais poster ça demain sur ma page. Avant qu'on ne lance le direct, j'avais reçu les vidéos sur ma page. Hein? Celle de Mopialo, maman, elle était sur le matelas Sandra. Hein? Couchée. Mafo. Le bailleur se m'a dit que ma chérie, doucement, tu n'es pas dans la boîte de nuit, c'est doucement. Tu cries, ma faux. Quelqu'un est loin, elle est loin à Paris, tu es au Cameroun, dans ton lobby. Tu cries, ma faux. C'est normal qu'on te chasse partout, tu parles loin. Tu fais les bruits partout, ma faux. Tu es arrivé là où ça faisait le machin là-bas. Là, on est parti apprendre à faire les publicités. Hein? Tu descends sur la moto, tu cries partout, les sifflets, ma pépé, Didi. Mais ma chérie, Socron. Mais franchement, c'est pour vous dire que, avant de parler souvent aux gens, ou avant d'ouvrir vos bouches, pour parler même à Lolo, faites l'effort un peu de bien vous vêtir.
Mais franchement, vous ne savez pas vous habiller. Mais j'ai eu de la peine, j'ai eu pitié pour vous. Hein? J'ai eu pitié. J'ai tellement pitié de vous. Il n'a même pas vu l'autre là, comment on l'appelle, Nia. Le gros porc là. Il n'a même pas vu. Il n'était pas là-bas, maman. Ou bien alors, tout son piment qu'elle vend là. Ce n'était pas à la hauteur. Mais franchement, maman l'incassa avec le piment, hein, maman. Yes, maman. Elle porte le voile en journée, la nuit, elle met le pantalon jean avec le pull col roulé. Yes, maman. Mais l'islam là, chaud, hein, maman. Ah là, vous attend aussi là-bas en haut. Elle est placée, tu parles que non. Ma voisine, c'est forte, maman. La journée, je la vois avec le cabaret, comme si elle respecte trop la religion. La nuit, comme ça, pas, il y a taclé. Elle taclé, maman, le tacle là, il descend de facile. Une joke, merci. Non, mais honnêtement, franchement, mes gens, conseillez encore bien vos gens de savoir s'habiller, savoir se vêtir. Mais franchement, les soirées comme ça, hein, même quand tu n'as pas de quoi porter, non, mais tu mets encore, tu t'habilles en quoi traditionnel, mais tu mets encore le kaba. Tu t'habilles ou même tu t'habilles avec le tissu de ton village. Mieux encore, c'était mieux. Moi, si je partais à l'événement là, j'allais porter le ndop. J'avais un look en tête, si. Mais alors, comment alors vous là, Lolo et vous, on m'a invité 20 fois, pas m'a invité, la veuve, j'avais invité, il y a des gens qui m'ont invité, mais j'ai dit, ah mais non, je ne sais pas faire quoi, où on déteste ma mère, ma poutine, qu'est-ce qu'elle m'avait fait là-bas? Qu'est-ce que je peux bien aller faire? Avec dit que non, même moi, même si j'ai eu les éloges, puisque les enfants, les soi-disant enfants de la maison, les Priscandotti, les Mbopi, hein? Les Black Pussy, j'ai eu les éloges puisqu'elle, hein. On m'a invité maintes fois. Elle m'a dit qu'elle ne pas fait quoi. On m'a invité puisqu'elle m'a proposé même où dormir. La force de frappe, maman. Je ne me mélange pas à la raca en 2024. Hein. 2024, c'est là. J'entre en 2024 avec ma poutine. On entre ensemble. On va chanter. Au Bateba, na Belawa, au Wendimanga, Béni Wenge, à mon mamion, au Wendisanetone, oh ma poutine, j'ai pourtant essayé de t'aimer comme il m'a été conseillé. J'ai pourtant aimé comme il fait comme il faut, pour être avec toi, t'es. Mais, Wendisanele, à Poutino. Wendisanele, à Poutino. La lettre, y a la lettre là-bas. Aïe. Ah, ça. Il fait très froid. La fraîcheur du sol. Tu m'as envoyé un bengama, la fraîcheur.